try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hello, j'espère que vous allez bien. Je reprends seulement cette vidéo là, il est 10h passées, bientôt 11h même. Cette frange qui a poussé, c'est horrible. Alors, comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, parce que je parle seulement, mais bon, ça a déjà commencé, je fais une journée dans mon assiette. Pourquoi je parle seulement? Tout simplement parce que le matin, tant que je n'ai pas avalé quelque chose et tant que je n'ai pas mon café qui coule dans les veines, je suis incapable de parler. Voilà tout. C'est pour ça que je ne commence pas réellement les vidéos une journée dans mon assiette en parlant dès que je me lève. Parce que ça, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Je vais me maquiller, voilà, parce que bon... Les cernes, ça fait 2 nuits que je ne dors pas. C'est super, on adore. Je mets pas de CC crème aujourd'hui. J'ai pas envie de mettre de trucs sur mon teint. Donc, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? J'allais dire ce midi, non. On n'est pas encore à l'heure de manger. Bien comme vous avez pu le voir, du coup, c'est un smoothie. Je mange presque tout le temps maintenant un smoothie depuis le mois de novembre, non, février 2024. Donc, je mange... tout le temps, maintenant tous les matins, un smoothie assez protéiné. Je sais, il devrait être encore plus protéiné. Sauf que je n'ai pas encore trouvé de skyr végétal près de chez moi. Il n'y a pas de skyr végétal. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis intolérante au lactose. Donc je ne peux pas prendre du skyr comme ça, le mettre dans mon smoothie. Je peux pas. Sauf si je veux avoir mal au ventre. Mais j'ai pas envie d'avoir mal au ventre. Donc voilà, je prends un smoothie protéiné. Plus par rapport à mes hormones, parce qu'apparemment c'est très très bon de manger protéiné quand on est une femme ou quand on est une personne avec un cycle menstruel. Parce que ça nous permet d'éviter donc de faire monter le cortisol, la glycémie et tout. Parce que ces deux choses influent et ont une grande influence sur notre cycle menstruel. Donc si on veut un bon cycle menstruel avec très très peu de symptômes, avec des règles qui sont régulières, il faut manger protéiné le matin et idéalement salé. Sauf que moi salé je peux pas, vraiment je peux pas. Déjà rien que l'idée de cuisiner le matin je ne peux pas. Parce qu'en fait techniquement il faut manger des œufs et tout. Mais en fait il faut savoir que moi manger le matin déjà c'est très difficile pour moi. Et ça fait pas si longtemps que je déjeune les matins. Donc c'est très difficile pour moi de manger salé le matin. Encore plus de cuisiner. Vraiment si je cuisine le matin ça me donne envie de vomir. C'est pas idéal quoi. Donc je mange sucré. Mais j'essaye de manger assez protéiné quand même. C'est à dire que dans mon smoothie donc je mets... du coup des fruits rouges, des épinards, je mets un Alpro à la vanille végétale, il y a quand même pas mal, mais je crois qu'il y a 10 grammes de protéines dans un pot, donc bon c'est déjà ça, du lait d'amande végétale, encore une fois parce que bon, je suis intolérante au lactose, et j'essaie de mettre plus de protéines avec des graines, donc les graines de chia et les graines de lin. Les graines de chia apparemment c'est très très bon pour les protéines, c'est pas autant bon que des œufs. Enfin ça là, il n'y a pas autant de protéines que dans des œufs et tout, faut bien le comprendre, mais moi pour l'instant ça fait l'affaire. Et dès que je trouve du skyr végétal, je l'achète et je le mets dans mon smoothie, parce que bon, ça me permettrait du coup d'avoir encore plus de protéines. Moi ça y est, je suis maquillée, j'en ai profité pour tourner quelques vidéos pour TikTok. Une ou deux, je sais même plus. Mais maintenant, il est temps de faire à manger. On est très blanc là, non? On est un peu blanc. Attendez. Ah voilà, c'est un peu mieux. Donc, il est temps de manger parce que ça, bon, c'est un peu le but de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de me faire des bagels. Parce que j'ai fait des pains bagels, attendez. Donc voilà, j'avais fait il y a deux week-ends de ça, je sais même plus, des pains bagels. Et que j'ai congelé pour les ressortir. En vrai, ils sont plutôt pas mal. Je suis plutôt contente de moi. Ils sont un peu durs. Mais parce que du coup, j'ai pas mis de skyr. Parce qu'en fait, c'est le skyr qui donne cet effet mou un peu au bagel. Et moi, j'en ai pas mis. Tout simplement parce que je n'ai pas de skyr végétal. Voilà, j'ai déjà dit 50 000 fois dans cette vidéo. J'ai pas de skyr végétal près de chez moi. Donc, m'en fais 100. Mais franchement, ils sont plutôt pas mal. Je vais me faire un pain bagel avec du poulet dedans. Voilà, c'est du poulet que ma mère a fait hier soir. Et je lui ai demandé de m'en laisser. Comme ça, j'avais pas trop à cuisiner ce matin. Ce midi. Parce que j'aime pas cuisiner. Faut le savoir. Donc, pain bagel. Donc, un bagel au poulet avec de la salade, des légumes, etc. Côté, je pense que je vais me faire des légumes style flavolé, je pense. Et une petite salade, voilà, pour avoir une bonne assiette équilibrée quand même. Thank you.
bagel au poulet, mes flageolets, et là, il y a ma petite salade que j'ai fait hors caméra. Attendez, j'avale ma bouche, trop. Alors, certes, du coup, il est un petit peu dur, comme je l'ai dit, parce que je l'ai pas fait avec du cire végétal, avec du cire tout court, mais c'est trop bon quand même. Il est 16h50, c'est l'heure du goûter, goûter en retard, mais j'ai dû aller à un Mondial Relais parce que j'ai envoyé un colis Vinted et j'ai pas de nouvelles, enfin il n'y a pas de notification sur Vinted, donc je crois qu'il y a un bug parce que finalement, de toute façon Mondial Relais était fermé, voilà, j'ai pas pu y aller, je me suis déplacée pour rien, c'est pas grave, on va dire qu'on a marché, qu'on a fait du sport, mais voilà, je sais pas comment ça va se passer, du coup j'ai dit que j'ai quand même envoyé le colis parce que enfin, il y a quand même le suivi, donc bon, je sais pas, je comprends rien. Moi, parfois, je suis un peu perdue. Mais donc, mon goûter, je vous présente mon goûter favori. Attendez, je vous montre. C'est genre mon goûter préféré, la pomme avec de la cannelle. C'est trop trop bon. Mais quand je vous dis que c'est trop bon, vraiment, c'est trop bon. Parce que d'habitude, j'aime pas vraiment les pommes. Dans le sens où ça m'ennuie une pomme. Avec la cannelle, c'est trop trop bon. Et j'ai à côté, comme que je vous montre, le carré de chocolat. Le chocolat noir, c'est obligé. Et finalement j'ai une tisane, enfin une infusion plutôt, je sais pas ce que c'est, une tisane ou un thé, je sais plus ce que c'est. Et c'est trop bon, vraiment il est trop bon, c'est du coup, c'est de la marque Twinings, c'est poire, miel, cannelle et c'est les infusions ayurvédiques. C'est trop bon, c'est un paquet violet, vraiment c'est une tuerie, j'adore. Et j'ai acheté, en début de semaine j'ai acheté la même mais gingembre, miel, je crois qu'il y a un autre truc. J'ai senti, j'aime pas beaucoup l'odeur mais faudra que je goûte, mais celle-là, vraiment. C'est une tuerie. Si vous devez goûter une infusion ayurvédique, c'est celle-ci, la poire miel cannelle. Si vous aimez déjà les ingrédients là tout seul, vraiment ensemble, c'est une tuerie, c'est beaucoup trop bon. Et donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais regarder YouTube, voilà. J'ai un peu travaillé cet après-midi, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un peu écrit. En vrai je suis fatiguée en ce moment, ça fait 2 nuits que je dors pas, donc je suis pas mal fatiguée, mais j'ai quand même un peu écrit. Donc voilà, là je vais regarder une vidéo sur YouTube. Il est bientôt à 19h, donc je vais aller dîner. Je vais vous dire ce que je vais manger et après je filmerai un rush parce que bon, je mange avec mes parents, donc j'ai pas envie de filmer pendant que mes parents sont là. Et en plus, c'est pas moi qui cuisine, mais je sais ce qu'on va manger. Les soirs, c'est toujours ma mère qui cuisine. Donc là, je mange 2 œufs, des petits rôtis, enfin c'est des trucs de pommes de terre et des flageolets. Après mon goûter, mon dessert avec un petit biscuit et et du coup, ma ricorée au céréales. Je vais aller prendre ma douche parce que juste avant, après, il y a la chanson, il y a une nouvelle chanson d'NJK qui sort. Bon, elle est déjà sortie. Faut que je l'écoute vraiment. Trop hâte. Oh, je suis trop contente. Enfin, il revient. Et enfin, ça faisait tellement longtemps. Et après, je vais manger. Mais de toute façon, je filme le rush avant de terminer la vidéo. Mais je vais conclure la vidéo ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire en commentaire, du coup, ce que vous avez tendance à manger, vous. Dans la journée. Et à me donner peut-être des recettes, recettes rapides et faciles s'il vous plaît, parce que je n'aime pas cuisiner. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!